On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle du 3e anniversaire de la brasserie artisanale La Gabière, fondée par les deux frères Lagagnère. Nouveau projet également de brasserie avec de l'embouteillage dans une usine du côté d'Iberville. Bref, les affaires vont bien. Mais d'abord, on vous parle de La Voix. Il y a une nouvelle saison, bien sûr, et il y a des candidats qui émanent de la région. Celui-ci est originaire d'Henryville et il s'appelle Nicolas Muraton. Bon, évidemment, le dimanche soir, il y a un rendez-vous à la télé assez important, c'est l'émission La Voix. Et à chaque saison, et même à l'époque de Star Academy, on faisait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est toujours attentif à savoir est-ce qu'il y a un artiste de notre région ici qui va faire figure, et ça a été le cas dans les dernières années, entre autres avec Félix-Antoine Couturier, Jeffrey Piton, Valérie Lahaye, il n'y a pas si longtemps. Et puis là, cette année, j'attendais, et puis là, pouf, qu'est-ce qu'on a dans les dernières éditions? Marielle Varin, d'ailleurs, qu'on va recevoir la semaine prochaine à l'émission, mais aussi Nicolas Muraton, qui est originaire d'Henryville. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, Éric. Félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est un peu étrange parce que, évidemment, nous, ce qu'on a vu a été enregistré il y a des semaines et des mois. Donc, vous devez garder le secret pendant toute ouais. cette durée-là. C'est un peu difficile, d'autant que dans ton cas, tu as été choisi, donc tu as choisi Ariane Moffatt. Oui. Explique-nous un peu l'expérience. On ne te connaît pas beaucoup. Tu as quel âge d'abord? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. Ouais. Originaire d'Henryville. Originaire d'Henryville. Les parents, tes parents ont une ferme? Oui, mon père tient la ferme d'agneaux. Bon, et ça fait plusieurs années, là. Oui, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Bon, tu as fait tes études à quel endroit? Alors, j'ai fait mon secondaire au Collège du Rocher-Saint-Lambert, donc plus rive-sud de Montréal. Ouais. Et ensuite, j'ai été étudiant en arts visuels au Cégep Saint-Laurent. Et après ça, je me suis dit, après avoir finalisé mon deck, je me suis dit, je me concentre sur ma musique. Je trouve une job de barman serveur dans le Vieux-Montréal, puis je me concentre là-dessus. Bon. Ouais. Et à quel moment est arrivée cette opportunité de t'inscrire à La Voix? Est-ce que c'était la première fois que tu t'inscrivais? C'était la première fois que je m'inscrivais. Je me suis juste dit un été, pourquoi pas? Ça m'a été, c'est venu sur mon chemin comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses pendant l'été, puis... Arrive un moment dans ta vie où tu te dis, ben peu importe ce qui arrive, je vais dire oui. Parce que tu n'as rien à perdre. Je voulais juste expérimenter tout ce qui allait se présenter à moi. Et donc, le sujet de La Voix est arrivé à un moment donné, puis bon. J'ai dit pourquoi pas. Mais tu faisais déjà de la musique depuis un certain temps. Ah oui. Moi, je fais de la musique, je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans. Et puis, je fais du chant depuis que j'ai 13, 14 ans. Je compose depuis que j'ai 15 ans. Donc, j'ai déjà mon projet solo qui est Colas depuis 3-4 ans. Donc là, c'était juste un moyen encore plus d'affirmer ma carrière musicale. Donc, tu as eu une expérience quand même un peu de la scène. Tu as déjà fait des spectacles ouais. dans le passé. Oui. Donc, ça fait partie de toi, là. Mm-hmm. Mais là, c'est une autre expérience de scène. Tu sais, j'ai fait le Festival de Montgolfière, que je suis très content d'avoir fait cet été. J'ai fait l'Astral en première partie de Thérèse Moncam, mais... À la télé, comme ça, pour La Voix, c'est pas pareil. Là. Dans le clip d'ouverture, tu disais ouais. que le fait d'avoir fait la première partie de Thérèse Moncalme, mm-hmm. que c'était un peu elle qui t'avait, disons, incité fortement à pousser plus loin. Oui. Oh, oui, elle m'a vraiment pris sous son aile. Elle m'a dit, Nicolas, ce que tu fais, c'est bon, j'aime ça. Et elle voulait que je fasse la première partie. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Je suis allé très souvent chez elle. Dans l'Est de Montréal pour travailler ma musique, pour me conseiller, elle écoutait, puis je progressais avec ça. Bon. Comment s'est passé les pré-auditions? Dans le fond, ce que nous, on n'a pas vu, mm-hmm. je pense que c'est quoi, c'est 5000 personnes ou à peu près là, qu'on passe en audition, ouais. et ultimement, on en choisit 100, et sur les 100, il y en a 48 qui sont ultimement choisis ouais. Dans les quatre équipes en question, donc c'est quand même un entonnoir assez vaste. Comment s'est passé la pré-audition? Alors, tu me permets, je vais juste ouais. m'attacher les cheveux. Parce que on s'en va dans un sujet un peu plus intense. OK. Alors, la pré-audition. J'arrive à l'hôtel Gouverneur, à ouais. la station Berry-UQAM. Tout le monde y va, tu sais, soit sans rien, soit avec leur guitare. Moi, j'arrive là, j'ai ma guitare sur le dos, j'ai mon sac avec une pédale que j'ai bidouillée chez nous à la ferme avec un tambourine dessus et j'ai mon bass drum. Dans les mains, avec à ma droite la pédale du bass drum, je suis loadé. J'arrive là-bas, on me dit, OK, toi, tu peux aller là, tout ça.
Là, j'encombre tout le monde. J'ai mon bass drum, j'ai ma guitare. Tout le monde me regarde puis me dit... Sors d'où? Tu vas jouer tout ça, tu sais. Ouais. Tu réponds à des questions au sujet de ta pré-audition. Puis justement, quel instrument? Je dis, ben, OK, je vais avoir une guitare, je vais avoir un bass drum, je vais avoir un tambourine, je vais avoir ma voix, je vais avoir un harmonica. Elle dit, c'est tout? J'ai dit, ouais, ouais, OK. Fait que j'arrive là, il y en a deux qui m'aident à rentrer et tout. Parce que, tu sais, il faut que ça aille vite, il y a du monde. Ouais, donc, moi, tout seul à transporter tout ça, ça va pas vite. Donc, il y a deux helpers qui sont là, qui m'aident à tout rentrer. Là, je me retrouve devant Esther et Stéphane Laporte, les producteurs et réalisateurs. Et là, je commence par jouer une composition. Je voulais mettre ça de l'avant, même si c'est une émission d'interprétation. J'ai joué Hobotos, une composition qui est sur mon dernier EP. Puis la réaction? La réaction de Stéphane Laporte, ça a été... Parfait. Est-ce que tu connais des classiques? Je dis oui, je suis capable de jouer... Je peux vous jouer Ain't No Sunshine, que j'ai fait à l'audition à l'aveugle. Je l'ai joué, il a aimé ça, il a dit merci, au revoir. Quand tous les autres avant moi, ils jouaient à peine une chanson, ils se faisaient arrêter et tout ça, j'étais content de pouvoir en jouer deux. Et là, quand tu as su que tu étais retenu et que tu as monté sur les planches, en fait, ce que nous, on a vu là, dimanche dernier, ouais. Ce moment-là, c'est passé comme c'est quand même assez long, ces journées-là, quand on attend son tour. Ouais. Et là, quand notre tour arrive, et là, on l'entend, on entend le silence, c'est un peu drôle à dire, mais il y a comme une absence de son. Tout le son est coupé, oui. Tout le son est coupé, puis là, tu entends les pas, tout que la personne s'installe. Mm-hmm. Ça, c'est un 30 secondes, mais c'est un 30 secondes qui paraît une éternité. C'est lourd. C'est très lourd à porter sur tes épaules. Ça faisait une fin de semaine complète qu'on était là à prendre des entrevues, tout ça. Et là, arrive finalement le moment, tu sais, t'es dans les coulisses, puis là, t'attends, tu sais pas quand est-ce que tu passes. Ils te le disent pas. Tu le devines un petit peu, mais finalement, ils te disent, OK, c'est à toi, là, t'es là. OK. C'est à moi, là, tu te lèves, tu y vas. Et oui, c'est stressant. Tu sais que là, se joue quand même... Un moment important. Un moment très important. Et là, parle-moi de la prestation, de la performance, des chaises qui se tournent. Comment ça s'est passé? J'étais content. J'étais très content de jouer la chanson. C'est une chanson qui me tient à cœur. Donc, dès que je l'ai jouée, dès que j'ai commencé à la chanter, ça s'est apaisé. J'étais comme a dit Pierre Lapointe, j'étais dans mon univers. J'ai réussi à l'amener, lui, dans mon univers. Et c'est sûr que quand j'ai ouvert les yeux à un moment donné, j'ai vu que Pierre s'était retourné. Après, Ariane s'est retourné, Eric. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et là, quand arrive le choix... Est-ce qu'il faut choisir un coach? Ouais. Est-ce qu'on a déjà une idée prédéterminée à l'avance ou si, sur le moment même, on y va sur le coup de l'émotion? Ça dépend pour qui. Moi, j'avais une idée déjà préconcise. Moi, je fais de la musique anglophone. Donc, la seule artiste entre Marc, Pierre, Eric et Ariane qui fait de l'anglo, c'est Ariane. Elle fait des shows à New York. Tu vas être beaucoup plus international. Donc, d'un point de vue carrière musicale, d'un point de vue, aussi au point de vue de musicienne, moi, c'était Ariane que j'allais vers elle déjà avant. Donc là, toute la situation de Eric qui demande à Marc de faire son pitch, Ariane qui me dit « tu devrais aller vers Eric », Pierre qui crie au complot, qui dit « ah, va avec Ariane », je me suis dit « regarde ». Beaucoup de pression, beaucoup de nervosité. Va avec ton premier instinct. C'était ça que j'avais décidé. J'y suis allé avec Ariane. Comme je le disais en introduction, ce que nous, on a vu dimanche, a été enregistré il y a plusieurs mois. Là, évidemment, pendant tout ce temps-là, vous dormez avec le secret. Mais là, évidemment, arrive la diffusion. Où là, en espace d'un clic de souris, là, ou presque, on devient connu. La boîte courriel Facebook explose. Plus de 2 millions de personnes qui regardent ça en même temps. Parle-moi de l'effet. À partir du moment où le clip a été diffusé dimanche soir et jusqu'à aujourd'hui, mardi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Beaucoup de choses, mon Dieu. Mon sel n'a pas arrêté de sonner. Je travaillais pendant la diffusion dès que mon boss m'a permis de le mettre sur la télé. Fait que j'ai vu. Puis après, tu sais, je suis barman, fait que j'étais en train de faire mes cocktails et je voyais mon cellulaire qui... ça n'arrêtait pas de sonner. Fait que j'ai pris Écoute, ce soir-là, je pense que je me suis couché à 2h30 du matin quand j'avais fini de travailler à 11h parce que je voulais essayer le plus possible de répondre à tous les messages. Ça, pour moi, c'est vraiment important d'être
quelqu'un d'accessible puis de ben proche ouais, avec les gens qui m'écrivent des courriels, des fans, on va dire. Beaucoup de choses s'est passé, vraiment. Des beaux commentaires, des commentaires un peu plus... Ben, mm-hmm. Il y aura toujours des gens qui vont donner du négatif, c'est sûr. Mais non, je suis vraiment content de la réaction. Je suis très, très, très heureux. Il y a des gens qui m'envoient des beaux courriels. J'ai décidé d'ailleurs de ceux qui m'envoient des beaux messages qui vraiment m'ont touché. J'ai décidé de leur envoyer un de mes CD gratuitement par la poste. Oh wow, c'est gentil. Ouais. Là, évidemment, vous devez vivre encore dans le secret parce que les prochains enregistrements, ça le dit, ce sont des enregistrements. Donc, toi seul, c'est l'issue de ce qui t'attend dans le concours. On verra la suite. On va peut-être te réinviter, on verra. Mais dis-moi, évidemment, tu as apporté avec toi ta guitare. Parce que ta guitare, elle est, tu peux, approche-la pour qu'on puisse la montrer à la caméra. Elle est quand même assez particulière, là. Oui, oui, oui. Premièrement, c'est fait où? Ça vient d'où? C'est quoi l'historique de cette guitare? Ça vient... pas loin de chez nous, c'est un luthier qui s'appelle Gilles Lacombe, qui vient de Clarenceville. Lui, il s'est installé là-bas. Je fais réparer mes guitares chez lui depuis 5 ans environ. En premier, il a réparé une guitare classique. Puis, tu sais, au fur et à mesure, je traîne chez lui. Puis là, je vois les morceaux d'un dobro, en fait, d'une guitare avec résonateur chez lui. Ouais. Je me dis, ça vient d'où, ça? C'est un gars qui me devait de l'argent, il n'avait pas l'argent pour me payer. Il m'a donné ça, il m'a dit « Ah, prends ça ». Puis, il a toujours eu l'idée de fabriquer une guitare avec un résonateur, un dobro. Et donc, à un moment donné, je lui dis « Ah, si jamais tu le construis, tu me le diras, ça m'intéressera. » On n'en reparle plus. Mon père va le voir à mon insu. Il lui dit « Ouais, mon fils m'a parlé d'un dobro, tout ça. » Noël arrive, je vois... une petite guitare emballée, tout ça. Je dis, attends, arrête, là, j'en ai des guitares, pourquoi? J'en ai pas besoin. Il dit, non, elle est différente. Là, j'ouvre le paquet. Puis, là, tu vois ça. C'est ça. Et dans le fond, c'est monté de toutes pièces par... Oui, toutes pièces. Ça, c'est un manche de Aria qui a, dans le fond, assemblé un corps qu'il a fait lui-même. Donc, c'est un peu un Frankenstein. Et si tu la tournes sur toi, pour qu'on la voit à la caméra... Dans le fond, c'est quoi ça ici? Ça, c'est seulement de la décoration. Des fois, les dobros, c'est des ouvertures comme sur les violons. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et en quoi la résonance est-elle différente d'une guitare traditionnelle? Parce que c'est un conde métallique. Donc, le son va répercuter dans le métal. Et tu l'entends déjà. C'est beaucoup plus, le son est différent. Beaucoup plus strident. C'est moins chaud. Ça va être chaud parce que comment il le fait... C'est quand même chaud. Elle a une bonne particularité, mais par exemple, une autre guitare que j'ai, c'est une Simon Patrick, donc Lutry de Godin. Et là, c'est beaucoup plus... Puis là, est-ce que tu joues toujours avec le bass drum d'un côté, puis le... Le plus souvent possible. C'est vraiment deux projets que j'essaie de maintenir en parallèle. Il y a Colas, qui est homme orchestre, et Colas Experiment, où là, je laisse faire le bass drum. J'ai un percussionniste, un drummer qui embarque avec moi, un contrebassiste. Il y a une chanteuse, d'ailleurs, qui se rajoute à ça. Donc, non, pas tout le temps, mais souvent. Nicolas, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Meilleure des chances et on va te suivre, bien sûr, dans les prochains épisodes de La Voix. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le 3e anniversaire de la brasserie artisanale La Gabière avec les frères Lagagnère. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire. À mon humble avis, l'un des symboles les plus probants de la revitalisation du centre-ville du Vieux-Saint-Jean, c'est probablement la brasserie artisanale La Gabière.
qui est évidemment devenu, et pourtant c'est assez jeune parce qu'on célèbre le 3e anniversaire, mais on dirait que c'est là depuis fort longtemps. Donc, l'établissement vraiment est là, est ancré maintenant dans les habitudes. Avec nous, les fondateurs, les frères Lagagnère, d'abord Francis, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Sébastien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. 3 ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça a donné? Est-ce que c'est fidèle à vos projections, à vos rêves, à ce que vous aviez prévu? Bien, en fait, je dirais que c'est fidèle à nos rêves plus qu'à nos projections parce que ça a vraiment explosé au-delà de nos attentes, même si on espérait que ça aille aussi bien, aussi vite, aussi loin. Là, avec le nouveau projet d'embouteillage qui vraiment là, qui s'en vient, au départ, nous, on se disait non, on ne veut pas toucher à ça, les bouteilles, ça va rester sur place, puis on ne veut pas trop grossir, on va garder ça plus petit. Bien là, ça va se faire cet été, puis on est content de voir vraiment à quel point le monde a embarqué là-dedans, puis le monde aime nos bières, puis c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ça. Sébastien, c'était quoi le cheminement? Parce que bon, vous avez travaillé, je me rappelle, on s'était vu ici en entrevue, toute la préparation, toi, tu étudiais la bière un peu, c'est ça? Toi, tu étais plus dans la comptabilité. On était à l'école de gestion à l'UQAM, puis ben, en fait, on avait des cours communs, pendant lesquels on allait dans les brasseries autour faire notre plan d'affaires, en fait. Là. Puis on a un peu fait de l'école buissonnière pour partir ça, finalement. Mais vous aviez quel âge à l'époque, tous les deux, il y a 3 ans? J'avais 21 quand on a lancé le projet. 25, dans le fond. 21-25, à l'époque? Ouais. Puis tu sais, tout ce projet-là, dans le fond, vous l'avez pensé, vous aviez votre plan d'affaires, vous étiez structuré, vous avez travaillé dans le local pendant presque un an. Ça. Ça nécessitait beaucoup d'installations. On était préparé, là. On avait un bon plan quand même. Ouais. C'est vraiment. On avait une bonne lassitude aussi. Là. On avait le temps en attendant le permis de faire des travaux puis de s'arranger. On n'était pas trop stressé par les délais. Là, mais c'est ça qui est le bon côté de ne pas avoir tout de suite un financement facile à avoir. C'était qu'on n'avait pas le choix d'avoir un super bon plan d'affaires à présenter à la banque. Fait qu'on a tellement bûché puis travaillé fort là-dessus. On a présenté à des concours, on a eu des opinions dessus que. Au moment vraiment qu'on a eu le financement, bien, le projet il était vraiment bien formé puis le plan était bon. Qu'est-ce qui vous a surpris au début dans la réponse du public? Moi, c'est le style des bières, je dirais. Là. Plus je m'attendais, on est quand même une nouvelle brasserie dans le coin. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça dans mon territoire. Est-ce que tu dis, ils vont-tu les aimer? C'est ça. Bien, ils vont-tu les aimer? On avait confiance quand même à nos produits, on les trouvait bons, mais on n'avait jamais eu de réponse de public large, à part la famille et les amis. C'est sûr qu'être poli, c'est sûr qu'ils vont dire qu'elle est bonne. Mais là, on se disait, surtout le style des bières, je dirais. Moi, on se disait, c'est sûr qu'il va y avoir de la bière blonde puis de la rousse. Dans le pire, ça va être heavy quasiment là, de boire de la rousse. Mais. On est surpris à quel point les IPA, les bières fortes puis les bières noires fonctionnent. Mm-hmm. Le style des bières, vraiment, le monde aime ça, essayer des styles assez osés. Là, puis, Est-ce que ça, là-dedans, il y a des surprises pour vous autres de dire « Ah oui, cette bière-là, finalement, elle est beaucoup plus populaire que j'aurais pensé » ou l'inverse? On commence à voir ce qui va marcher puis ce qui va moins pogner, mais vraiment, au départ, ça, oui, ça a été une surprise de voir à quel point là, la Bombay Ale, c'est devenu la plus populaire, c'est notre IPA. Ça, d'ailleurs, je m'étais réservé parce que là, je suis en peine parce que depuis plusieurs semaines, elle n'était pas disponible. Elle est revenue. C'est la plus populaire. Ça l'a été, mais ça change un petit peu. Mais ça reste quand même dans les tops, là, la Bombay Ale. Puis c'est quand même une bière qu'on se dit au départ n'est pas si accessible que ça. Il y a une bonne amertume dedans, puis il n'y a pas de microbrasserie dans la ville. Fait qu'il faut quand même habituer les consommateurs à ça. Mais tout de suite en partant, là, ils se sont lancés là-dedans. Puis on était vraiment étonnés de voir à quel point le monde était ouvert à ça. Là, vous avez combien de sortes de bières en ce moment? Au début, en ce moment, on en tient maximum 20 sur les lignes, parce qu'on a seulement 20 lignes. On essaye d'en maintenir au moins 15 différentes, puis les recettes, on évolue avec les saisons. Fait que, on a quoi, une soixantaine de recettes à peu près de brassées à dates différentes. Vous avez offert aussi, je prends l'exemple de la dernière année, des bières qui sont brassées ailleurs. Mm-hmm. Vous avez aussi fait découvrir des produits qui sont fabriqués par d'autres microbrasseries. C'est ça. Bien, en fait, ça, c'était un peu pas contre notre gré, mais on s'attendait pas à une bonne réponse comme ça des consommateurs, là, d'essayer des produits. On se disait, nous autres, dans notre idée, on était une brasserie artisanale, on a nos produits, point à la ligne. Là, on a été victime d'un succès un peu l'été passé, là, après les festivals. Il nous restait 2 bières sur le tableau, dont une bière au sapin puis une bière à 2,5 %. Et on dit, ouais, il faudrait commander d'autres bières. Vous étiez à sec. Fait que là, on a fait le tour des kiosques à la fin du festival à Chambly. On a dit, oh, je
t'achèterais de ça, je t'achèterais de ça. Puis on a pris un petit peu de tout, on a fait une sélection de bières. Puis ça, on a eu une bonne réponse. Fait que là, de temps en temps, peut-être une fois par mois, quasiment, on se fait un événement qu'on dit contrôle des lignes. Ça veut dire quoi que la croissance de l'entreprise a vraiment. C'est ça. On produit au maximum de notre capacité, pas mal dans ce local-là. C'est quand même. On a eu la capacité de produire suffisamment pour être sûr de ne pas en manquer, mais c'est niveau variété. Nous autres, on aime ça en avoir justement 12, 15, 20 sortes différentes. Puis quand on tombe à juste 5, 6, on se le fait dire par les clients parce qu'il manque telle bière, il manque telle bière. Donc, c'est vraiment au niveau des quantités qu'on a eu besoin d'aide des autres brasseries, dans le fond, qui sont venus. On les invite. Vous ça fait un aidé. Gros événement. Ça attire du monde d'ailleurs. Puis ça donne un break à nos bières. Et là, maintenant, c'est quoi le fameux projet dont on parle? Parce que moi, évidemment, vos employés m'en ont parlé dans les dernières semaines. Ouais, un projet à Iberville, c'est ça, à Iberville? Exactement. C'est quoi? C'est d'avoir un lieu de production? Oui, ça va. Ben, en fait, vu que nous autres, en ce moment, on est brasserie artisanale, on n'a pas le droit de vendre à l'extérieur. Puis ça fait 3 ans qu'on se le fait demander, donc on s'est dit ça commence à être le temps là, de se lancer. Puis suite à l'été passé où ce qu'on est revenu, il restait juste 2 sortes de bière, on s'est dit ça serait l'occasion là, d'augmenter la production pour fournir. Puis par le même fait d'être capable de vendre en bouteille. Dans le fond, vous avez, vous en êtes venu à la conclusion, même si c'était pas votre plan de match au départ. Le résultat ou le succès vous a forcé un peu la main. C'est ça. Ouais. Bien, en fait, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des gens qui viennent nous demander des bières en bouteille. On s'est comme tanné un peu. On dit, bien, là, on en vendrait, on fait le calcul. Là. On va en vendre de la bière si on peut en avoir en bouteille. On devrait ressortir la vieille entrevue de 3-4 ans. Ouais. Vous avez dit, non, on ne veut pas faire ça, nous autres. Jamais en 10 ans qu'on disait. Peut-être après 10 ans, on verra. Mais non, c'est ça, mais je vous avais posé la question à l'époque, allez-vous embouteiller? Vous m'avez dit non. C'était vraiment pas d'un projet. On s'est dit, on veut garder ça. Mais ça implique quoi d'embouteiller? Bien, un autre contrôle qualité un peu plus strict, si on veut. Là, c'est sûr que ça se ramène sur ces tablettes, ces bières-là. Des fois, ça peut être il peut y avoir des oublis, dans le fond, des tablettes. C'est d'avoir un contrôle qualité aussi pour une bonne rotation des stocks, une stabilité microbiologique, des choses comme ça qui s'appliquent un peu plus à l'entreposage des bières, dans le fond. Il y a la distribution aussi, qui c'est une nouvelle facette qu'on n'a pas actuellement, parce que tout reste sur place. Puis c'est vraiment le gros morceau, là, ça, en fait, là, qu'on va avoir à s'habituer. Puis, justement, ici, ce qui est le fun, c'est que si la bière, elle change un petit peu avec le temps, bien, elle est tout le temps là, puis on peut y goûter. T'sais. Fait qu'on a des avis directs des consommateurs, puis on peut la suivre vraiment en temps réel, tandis qu'en bouteille, si elle part pendant 6 mois, c'est dur. Mais là, quel type d'installation vous avez à Iberville? Ça va être quoi votre capacité de production? En ce moment, c'est un kit qu'on peut faire du 500 litres au final. Par brassin. Puis nous, actuellement, ce qu'on a commandé, ça va être 1500 litres par brassin. Donc, c'est 3 fois plus gros que ce qu'on a là. Et au départ, ça va nous permettre de quadrupler la production dès le départ de ce qu'on a. Quadrupler? Oui. Vous allez quadrupler la production, si bien que là, évidemment, vous ne serez plus en rupture de stock à la gabière. Sauf si ça se vend assez en bouteille, mais non, ça devrait régler le problème. Parce que, est-ce qu'il y a de ce que vous allez produire à Iberville qui va être consommé ici? Oui, on veut se fournir. Nous autres, dans le fond, les bières qu'on va embouteiller, c'est sûr qu'on va servir une partie en baril pour pouvoir servir là. Puis on va s'amuser au pub avec notre brassin. Mais c'est quoi la capacité de... Parce que là, on parle de litres, mais tu peux produire combien de bouteilles sur un mois, un an, je ne sais pas. Disons, un an, c'est 200 000 litres par année. Donc, si on fait des bouteilles de 500 000 litres, c'est l'équivalent de 400 000 bouteilles de 500 000 litres. OK. C'est ça. Ça donne une idée, grosso modo. Là. Et il y a un marché pour ça? Oui, il y a un marché. On a tâté le pouls quand même avec les festivals, puis le monde de la bière en général, les dépanneurs spécialisés, tout ça. Puis on a une super bonne réponse de la part de ces marchands-là. Ils nous voient dans les festivals, ils disent « Ah, j'aime telle bière, j'aimerais ça avoir de l'ordre de toast sur mes tablettes. Quand tu vas en faire, j'achète tout ton inventaire. » Puis il y a aussi, c'est drôle parce que depuis qu'on a lancé le projet, qu'on a eu un article dans le journal, on a des bars qui nous appellent puis qui veulent avoir de ça sur leur ligne. Fait que ça fait déjà, on est en train déjà de préparer des contrats là, justement là, avant même d'avoir l'équipement de brassage en main. Qu'est-ce que ça implique sur le plan affaires, le plan business, de se diversifier? Parce que toujours des risques en affaires, oui. Mm-hmm. Là, vous avez une bonne business qui va bien, qui marche bien, tout ça. Là, on augmente, on s'en va ailleurs dans une autre direction, même si on a un bon plan de match. Qu'est-ce que ça implique, Sébastien?
Bien, c'est de déléguer un peu. Il n'y a pas le choix à m'amener de laisser passer les tâches qu'on aime faire, qu'il faut commencer à former du personnel pour pouvoir les déléguer, parce qu'on ne peut pas se multiplier en quatre non plus. Dans le fond, là, avec l'autre projet là-bas, on va essayer de faire les deux. Là, tant qu'on se garde, nous autres, on se dit, tant qu'on se garde le côté brassage, le côté le fun, le côté qu'on aime, là, si on peut déléguer la paperasse, puis ça fait de même, ça fait bien mon affaire. OK, OK. Du lavage, c'est ça. On essaye de faire confiance, de déléguer, puis de former des employés. Ça, plus côté gestion aussi qui se développe là, par rapport à ça. Là, on n'a pas le choix. Mm-hmm. Puis comme disait Francis tantôt, c'est tout l'aspect distribution auquel vous n'êtes pas nécessairement habitué. C'est certain que c'est nouveau. On est confiant quand même parce qu'on en voit beaucoup des nouvelles microbrasseries qui se lancent, qu'ils n'ont pas de background, même comme nous, on a réussi à se faire un nom quand même en 3 ans. Il y en a qui se lancent du jour au lendemain en bouteille, puis année après année, ils grossissent, puis même si les bières, des fois, sont moins bonnes que les nôtres. on voit qu'il y a un succès, puis on est quand même confiant parce qu'on... On est en train de se monter un plan de match pour vraiment aller faire un petit job de représentant. Et c'est quoi le succès de la bière? Parce que dans le fond, on a beau avoir une belle place et tout ça, mais ça reste que les gens y vont pour un produit. Hein? Mm-hmm. Puis il y a comme une attente. Là. Moi, j'aime la Bombelle, donc quand je vais chez vous, c'est parce que je veux boire une Bombelle. C'est quoi le secret de la recette? C'est quoi le secret du colonel? Là? Je pense que trouver son créneau un peu, c'est sûr que... On voit un peu avec le pub, ce qui est le plus populaire, puis sur quoi on se démarque aussi. Fait que nous autres, en tout cas, le houblon adapte. C'est sûr que la Bombelle est un bon témoin de ça, là, mais on pense que c'est ça, c'est trouver son créneau un peu. Là, dans les bières houblonnées, puis des bières spéciales. On ne veut pas se lancer dans des blondes, des rousses, puis être un autre blonde ou un autre rousse sur les tablettes. Fait qu'on veut se démarquer, faire des produits spécialisés qui s'adaptent, qui s'attaquent plus à un client averti que... la grosse majorité des clients de bière. Là. Puis en fait, nous, la plupart du temps, on a toujours brassé selon nos goûts. Puis je pense que c'est juste un bon hasard que beaucoup de monde trouve que nos goûts sont bons. Alors, 3e anniversaire de la Gabière, située ici même sur la rue Richelieu, avec ce projet maintenant d'embouteillage. À quel moment on va avoir des bouteilles? Début de l'été, si on est chanceux. Là, fin mai, début juin, là, on s'en parlera. Donc, est-ce qu'on va avoir de la Bombelle en bouteille? Oh. Oui, probablement. C'est dans les meilleurs qu'on n'aura pas donc, le choix. Donc, tu es en train de me dire que sur ma terrasse, chez nous, je vais pouvoir boire de la Bombelle. Il y a des bonnes chances. J'en prends note. Merci, les gars. Salut. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dimanche, le 21 février, 10h30, à la Bibliothèque Saint-Luc, café-concert avec le violoniste Marc Anger. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean sur Richelieu, donc un rappel de la grille horaire de cette émission. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a bien sûr une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, faites tvhr9.com ou 358-1912. Et entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.